le système cardiovasculaire. Ce système-là, il commence à ressentir le vieillissement aussi assez précoce. Pourquoi? Parce qu'il y a, perte d'élasticité des vaisseaux sanguins. Donc, le vaisseau sanguin devient rigide. Ça devient rigide. Et je vous ai dit la dernière fois que quand le vaisseau sanguin devient rigide, c'est difficile que le cœur qui doit pomper le sang, vous voyez, le rôle du cœur, c'est pour pomper le sang pour que ça passe dans les vaisseaux sanguins et atteindre nos différentes cellules de notre corps, d'accord? Maintenant, si le vaisseau sanguin est rigide, ça veut dire que le cœur doit faire un effort extraordinaire pour que le sang puisse passer. Donc, le cœur aura besoin de plus d'efforts. Mais n'oubliez pas que c'est un cœur qui vieillit, qui est dans le processus de vieillissement aussi, où les cellules ne multiplient pas comme d'habitude. Je vous ai dit, c'est un peu comme le robinet. Et pourtant, à force, et bouger parce qu'il y a une pression qui est en train, le volume de l'eau qui sort dans le robinet, te crée une pression. Et c'est ça que nous on appelle en médecine tension artérielle. Quand on dit que c'est élevé, ça veut dire que cette pression est là. Et vous voyez que nos artères, nos vaisseaux sont comme ces tuyaux-là. C'est ces tuyaux-là. Donc, voilà une première, voilà le premier problème, c'est au niveau du vaisseau sanguin. Deuxième problème, c'est au niveau du cœur. Le cœur qui doit maintenant pousser le sang à travers une résistance doit associer un cœur qui est bien. Donc, Forever a pensé à tout ça et Forever a mis une autre disposition qui est des produits qui vont nous aider. Là, on va voir quelques produits qui sont capital, qui sont primordiales pour le système cardiovasculaire. Et quand on respecte ça, tu donnes ça à quelqu'un, la personne ne va pas finir par avoir ces problèmes d'hypertension. Parce que si on ne donne pas tout ça, je vous dis, les statistiques ont montré que dès les 60 ans, ils ont, excusez-moi, plus de la moitié de personnes âgées là vont développer l'hypertension artérielle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On voit un produit comme Argiplus. Argiplus, qu'est-ce que Argiplus va aider dans, comment ça va aider dans ces systèmes cardiovasculaires? L'Argiplus, parce que ça contient le L-arginine, ça va permettre une dilatation de ces vaisseaux sanguins. Et puis, quand le vaisseau sanguin qui était petit comme ça, ça dilate, qu'est-ce qui arrive? Le cœur est plus à l'aise pour pomper le sang. D'accord? Donc, l'Argiplus va nous aider au niveau du vaisseau sanguin. Écoutez-moi très bien. Et à côté de l'Argiplus, on a un produit qu'on appelle le Cardio Health. Comme son nom indique, je sais que beaucoup ne comprennent pas l'anglais, mais cardio, au moins, il y a ça même en français. Health, ça veut dire santé du cœur. La santé du cœur. Et cardio health est très, très important pour la santé de notre cœur, y compris d'autres choses. Mais là, sur ces systèmes, on parle du cœur. Parce que ça contient le coenzyme Q10. C'est quoi, enzyme Q10? C'est un antioxydant. Ça joue le rôle aussi d'un antioxydant très puissant. N'oublie pas que cette enzyme Q10 se trouve dans les mitochondries, les gens qui connaissent un peu la biologie, dans nos cellules. Donc, ça augmente l'énergie. Parce que le mitochondrie, c'est son rôle qu'il fait pour produire l'énergie. Donc, ça veut dire que notre cœur va avoir l'énergie pour pomper le sang. Hein? Et puis, il y a l'effet antioxydant. Donc, ça va capter tout ce qui est toxine, tout ce qui est radicaux libres qui vont détruire le cœur. Voilà ce que Cardio Health va nous faire. Et puis, bien sûr, il y a garlic. Garlic thyme qui est à côté. Garlic va faire quoi? Quel est le rôle du garlic dans ce? Garlic a une propriété de faire fluidifier le sang. C'est pour ça que quand quelqu'un est sur des anticoagulants ou bien quelqu'un qui prend régulièrement son aspirine cardio, méfie-toi quelle quantité de garlic tu lui dis de prendre. Parce que ça joue presque le même rôle que cardio aspirine. Donc, quand quelqu'un prend le garlic dans ces cas-ci, ça aide parce que dans les parois du vaisseau sanguin, parfois on a ce qu'on appelle les athéromes. Je vais parler de ça tout à l'heure. Et le garlic maintenant va aider à fluidifier le sang. Bien sûr, il y a Atixi. Atixi joue un rôle un peu plus que ce que garlic thyme va faire dans le cas du cholestérol. On va arriver là-bas. Mais Atixi a beaucoup de rôles parce que pas seulement ça joue le rôle au niveau de nos vaisseaux sanguins en enlevant les mauvaises graisses. Donc, pas en enlevant, il entre en compétition avec ces mauvaises graisses. Ça, c'est bon. Mais l'autre chose qu'Atixi va faire, vous savez, tous les nerfs, quand quelqu'un dit que j'ai un problème avec mes nerfs. Les nerfs, c'est comme les fils, c'est comme les fins fils. Mais ces fils-là, Dieu est merveilleux. Il les a protégés avec une membrane
qu'en médecine, on appelle myéline sheath. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est une membrane qui protège le nerf pour que ça ne soit pas injured. Ça ne doit pas être... Donc, ouvre ton micro aussi. C'est un mot, tu m'aides, pardon. Injured. Alex, ouvre le micro de Doc. Oui. Donc, injured. Ça ne doit pas... Donc, pour que le nerf ne suive pas un traumatisme. Oui, hein? Lésé. Ça va être lésé. Okay. OK. Pour que le nerf ne soit pas lésé. Vous voyez un peu. Donc, Atik, si elle a pour arranger toute la partie de notre corps, de tête jusqu'aux pieds, est couvrie de nerfs, des terminaisons nerveuses. C'est pour ça que quand tu touches quelque chose qui chauffe, tu enlèves ta main. Quand tu cognes ton pied, tu sens la douleur. Tout ça, c'est parce que les nerfs sont reliés et ça transmet l'information directement dans notre cerveau. Donc, Atik, si elle a pour nous protéger ces nerfs-là aussi, au niveau du cœur, au niveau du vaisseau sanguin, ça joue encore un double rôle. On a nos deux bidons qui sont là. Tout est bien. Tout est bien pour prévenir ces problèmes. Mais on va dire un peu plus berry nectar. Pourquoi un peu plus berry nectar? Parce qu'on sait très bien que ça contient le canneberge, qui est très bien pour le rein. Le rein en tant qu'organe, pas rien que les gens disent « Oh, mon rein fait mal, on voit le dos. » Non, pas le dos. J'ai dit le rein en tant qu'organe. Donc, berry nectar va faire qu'on va uriner beaucoup. On va uriner beaucoup. Donc, quand on urine aussi, ça aide parce que ça diminue le volume du plasma qui se trouve dans le vaisseau sanguin. Donc, ça diminue un peu ça et c'est bon. Et on sait bien que notre aloe vera gel et comme notre berry nectar joue le rôle de nettoyant. Donc, ça va aider notre corps aussi à enlever tout ce qui est toxine. Ça va aider à enlever tout ce qui est toxine et ça apporte maintenant les minéraux vitaux, les vitamines vitaux, les autres nutriments qui aident aussi notre corps. Donc, c'est pour ça que à chaque FBO, j'ai dit, quand tu proposes même le complément alimentaire, fais tout pour ajouter un buvable, soit ça, soit l'autre là. Parce que pour avoir le maximum de l'effet. Parfois, tu vois les gens qui disent « Ah, j'ai pris vos produits là, ça ne m'a rien fait, j'ai pris... » Mais ils prennent les produits sans les bidons et les produits arrivent et ça trouve un intestin tellement sale que ces produits ne peuvent pas être bien absorbés. Tu te vois en train de prendre les produits pendant des mois, rien ne change. Pourquoi ça ne change pas? Parce que ça n'arrive pas à être absorbé. Tous ces nutriments sont déjà biodisponibles, c'est déjà prêt à être absorbé. Mais quand ça trouve un système digestif qui est sale, ça ne peut pas être absorbé. Si ça s'absorbe même et ça trouve que ton système circulatoire n'est pas bien, ça ne va pas circuler jusqu'à arriver à l'organe cible. Donc, tu peux être en train de prendre tous les compléments alimentaires qu'on connaît, c'est bien, ça ne marche pas. Quelqu'un d'autre prend du aloe vera gel ou berry nectar ou bits and pieces ou freedom. N'importe lequel nos buvables va faire le bon jeu. Donc, voilà un peu ce que je veux dire brièvement sur ces premiers diapos. Je voulais que vous compreniez l'essentiel. Quand vous proposez ça à quelqu'un, dis-lui pourquoi tu donnes ça, c'est ce que je vous ai dit. Juste le bienfait de ces produits qu'elle a. Je n'entre pas beaucoup dans la composition, ce que ça fait. Non, on n'est pas là pour ça. OK, deuxième diapo, Alex. Maintenant, tout à l'heure, j'ai parlé de garlic. Et j'ai parlé d'Atik si et je vous disais un peu ce que ça va faire. L'autre chose qu'on attend toujours quand on commence à vieillir là, je suis à l'hôpital, on a dit que mon cholestérol est très élevé. Oh, mon cholestérol. Le cholestérol n'est pas une mauvaise chose. Ton organisme a besoin de ce cholestérol. Il y a deux types de cholestérol. Il y a le high density, l'hypoprotein, il y a le low density. Il y a deux types, mais il y a un que quand c'est élevé, c'est ça qui nous pose problème. Quand le high density là est élevé, c'est ça qui nous pose problème. Sans le cholestérol, l'organisme ne peut pas fonctionner. Ça joue beaucoup de rôles, surtout au niveau même de la fertilité. Mais quand ça devient élevé maintenant, ça devient plutôt mauvais. Pourquoi? Parce qu'au niveau de nos vaisseaux sanguins, tout à l'heure, je vous ai parlé du tuyau. Hein? Regardez un peu vos artères, vos veines comme le tuyau. Et dans le tuyau maintenant, il y a un dépôt de ces mauvais cholestérol. Donc, ça c'est un dépôt. Ça se pose là-bas. Et qu'est-ce que ça fait? Ça finit par diminuer le passage. Donc, regardez un peu ma main, un peu comme un tuyau, ou votre main comme ça. Et puis, il y a le mauvais. C'est comme si on a pris. Ah ah! Très bien. Pensez un peu, nous les femmes, quand on est en train à la cuisine, et on vous dit que le. Quoi?
ce qu'on lave les assiettes là, c'est bouché. Mais si on appelle le plombier ou quelqu'un, il vient, dès qu'il ouvre en bas pour faire couler l'eau, tu vas trouver l'huile qui est déjà coagulée. Tu vois, on enlève quelque chose. Parfois, ça coagule jusqu'à ça devient même comme le caillou. Donc ça, c'est ce que je peux dire de l'autre côté, quand ça concerne l'être humain, que c'est l'athérome. Donc tu as cet athérome-là, ces mauvaises graisses, qui tapissent tes vaisseaux sanguins jusqu'à ça diminuer le passage. Et quand le passage est diminué, c'est la même chose. Ça veut dire la force dans laquelle le cœur va pomper le sang doit augmenter pour pouvoir surmonter ces résistances qui se trouvent dans le vaisseau sanguin. Mais Forêt va dire non, il ne faut pas laisser les gens arriver jusqu'à ce point-là. Il y a une manière qu'on peut prévenir ça. Si on prend les produits nécessaires, et vous allez voir que la levure gel, c'est bon pour le premier cas, c'est bon aussi maintenant, berry nectar, atixi, galic. Donc quand vous donnez déjà à quelqu'un, vous dites que ça ne te prévient pas seulement les tensions, ça te prévient même d'accumuler le mauvais cholestérol. Parce que atixi va faire le jour pour entrer en compétition avec ce mauvais cholestérol pour que ça balaye ça dans notre vaisseau sanguin. Donc quand ça balaye ça, on voit que ça laisse maintenant notre vaisseau sanguin le passage libre. Et maintenant, le sang peut bien circuler. Et garlic time, comme je dis, ça va aider à fluidifier. Parce que quand le sang est vicieux, quand c'est épais, ça circule lentement. C'est un peu comme quand vous prenez l'eau qui est vraiment sale, avec la boue, et vous versez dans le bassin, à la cuisine, là, comment on dit, là où on lave les assiettes. L'évier. Donc, quand on verse dedans, ça ne va pas couler si vite comme si tu verses l'eau simple comme ça. Ça coule rapidement. C'est la même chose au niveau de notre système, cardiovasculaire. Donc, voilà ce qui arrive dans le vaisseau sanguin. Et maintenant, l'autre chose qu'on attend souvent, parce qu'il y a quelqu'un qui demande, mais comment? Quand tu entends qu'un vieux a la tension, c'est qu'il y a l'arthrose à côté. Il y a diabète qui accroche. Il y a cholestérol. Donc, c'est comme ce sont les partenaires. Hein? Ils marchent toujours ensemble. Et après ça, c'est le cancer qui vient ajouter. Tout ça, c'est une séquence. Quand tu ne règles pas une chose, l'autre ajoute. Donc, c'est pour ça que prévenir mieux que guérir. On a tous les bons produits bien étudiés, bien faits pour nous aider les gens qui sont dehors là, qui ne savent même pas. Ils ne savent pas. Ils attendent seulement que, hein, comme je suis vieux là, les maladies des vieilles vont commencer. Dès que je tombe malade, je pars à l'hôpital. Non, il n'y a rien comme maladie de vieillesse. Les dégénérations commencent à cause de ces vaisseaux sanguins, comme j'ai dit là, ces cellules qui commencent à vieillir et ne peuvent pas se multiplier encore. Maintenant, on a le diabète. Diabète, ce n'est pas type 1. Diabète type 1, c'est le diabète que c'est un manque d'insuline. Donc ça, c'est très courant chez les enfants, les plus jeunes, qui doivent s'injecter tout le temps avec l'insuline. Mais le diabète type 2, c'est quoi? C'est parce que ton pancréas, qui est l'organe qui produit l'insuline, n'arrive pas à produire, ou bien ça produit, mais quand ça arrive aux cellules, il doit déclencher la réaction, le processus pour convertir le sucre en glycogène, ça n'arrive pas. Parce que peut-être au niveau des cellules, tous les récepteurs sont déjà bouchés. Elles sont bouchées avec toutes ces toxines-là, toutes ces mauvaises alimentations et toutes ces choses qu'on mange. Donc, le diabète type 2, c'est un diabète qu'on peut bien prévenir ça. On peut bien prévenir et ne pas avoir ça quand on fait certaines choses que nous tous, on connaît. Parce que quand tu regardes ici au niveau des produits Forever, qu'est-ce qu'on donne? Dès qu'on est en train de prendre notre aloe vera gel, ça aide à nous nettoyer. Les gens disent que c'est parce que l'aloe vera gel, là, comme c'est amer, hein, ça neutralise le sucre. Je ne sais pas si ça, c'est ça. Je ne pense pas que ça a quelque chose à faire. C'est l'effet de la plante aloïse. Donc, même si tu es en train de prendre le freedom, tu auras le même effet. Même si tu es en train de prendre le berry nectar, tu auras le même effet. Donc, aloe vera va faire son nettoyage, mais il y a un produit qui est fantastique pour le diabète. C'est un produit qu'on appelle le Fields of Green. Si petit comme ça, mais c'est très bien. Tu vois, c'est un terrain vert, comme on peut dire. Et là, il y a le chlorophylle dedans, il y a le belly grass, le wheat grass, toutes ces choses qui contiennent le sélénium et le chrome, qui sont les minéraux que ton organisme a besoin pour produire l'insuline.
Donc, pour les gens que leur diabète type 2 arrive parce que l'insuline qui produit n'est pas de bonne qualité ou bien n'est pas de ceci, un Feel So Green va beaucoup aider. Ça va beaucoup aider pour ça. Et puis maintenant, il y a aussi le lithium. Le lithium, son rôle, c'est quoi? C'est un antioxydant très puissant. Donc, un antioxydant très puissant. Et on dit que c'est 100 fois plus puissant que la vitamine E. Les gens qui sont dans le corps médical, c'est qu'à l'école, nous apprend toujours la vitamine E, la vitamine A, la vitamine C, le zinc, le sélénium, voilà les très, très puissants antioxydants. Mais on nous dit que le lithium, hein, ça contient aussi le lycoris, ils ont un pouvoir antioxydant formidable. Donc, quand tu prends ça, ça joue le rôle. Vous savez, quand le sang, quand quelqu'un vieillit, quand il mange, le temps que le sucre se transforme en glycogène est plus lent. Parce que c'est plus lent. Dès qu'il finit de manger, tu doses leur glycémie. Dès qu'il finit de manger, tu doses leur niveau de sucre qu'on appelle la glycémie. Ça va toujours être élevé. Mais pour un temps après, ça va descendre. Juste parce que tout devient lent. Ils sont lents. Mais quand quelqu'un a le diabète, dès qu'il mange, tu doses élevé. Même si tu attends 4 heures du temps, 6 heures du temps, tu doses, ça va toujours être élevé. Donc là, ça montre qu'il y a vraiment problème. Et il faut maintenant les antioxydants qui vont aider de capter ces toxines, ces choses qui provoquent peut-être ces pancréas à ne pas faire son travail comme il faut, ou provoquent au niveau de nos foies, pour que le foie n'arrive pas à convertir facilement le sucre en glycogène. Donc le lithium, ça va donner aussi l'énergie. Ça va aussi donner de l'énergie. Ça, c'est un produit qui aide aussi à booster le niveau énergétique. Parce que quand on est diabétique, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. On est fatigué, les nerfs sont touchés. Je dis quand ça arrive au stade compliqué maintenant, les nerfs sont touchés, les problèmes, tellement de problèmes, l'urin, ils entrent facilement à l'insuffisance rénale, ils font facilement les problèmes d'obésité, de surpoids. Il y a beaucoup de choses qui sont tout autour de ce diabète. Les nerfs sont tellement endommagés que parfois, tu peux même percer, même leur orteil ne ressent plus. Ils perdent même la sensation. Sans parler maintenant des yeux qui peuvent arriver même au niveau d'être aveugle. Il faut donner aussi le cardio health. Le cardio health, parfois les FBO me disent, mais c'est sucré, non? Comment donc quelque chose sucré à un diabétique? Le sucre qui est dans le cardio health n'est pas le sucre, le monoglycéride. Donc ce n'est pas le sucre comme sucre. D'accord? C'est seulement le goût qui est sucré, mais ce n'est pas le sucre dedans. Ça, c'est très important. Je vous ai dit que ça joue au niveau du mitochondrie qui aide pour booster le niveau énergétique, non? Des cellules. Donc quand les cellules fonctionnent bien, les choses vont bien. Il y a des études qui montrent que cardio est l'une des produits pour le diabétique parce que ça va protéger son cœur, ça va protéger ses muscles, ça va protéger tous ses organes. Donc, c'est très bien. En plus, la levure orangère et le périnectar. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe dans toutes ces premières choses que j'ai déjà recouvrées, les problèmes de vieillesse qui sont toujours collés entre eux. Et docteur va parler de la cinquième collée là. Mais je vais seulement dire que dans tout ça, vous donnez le projet Forever, mais n'oublie pas de conseiller aussi. Après tout, nous on doit conseiller les gens qu'on donne. Quand on les donne, il faut les encourager de boire beaucoup d'eau. Hein? Quand ils prennent le produit, il faut boire beaucoup d'eau. Ça va aider aussi dans les détoxications ou bien amener les produits là où ça doit arriver. C'est très important. Et il faut aussi les demander aussi que quand ils prennent les produits aussi, il faut, en tant que dès qu'on atteint 50 ans, l'exercice, un peu du sport est primordial. Parce qu'on doit toujours faire des exercices pour renforcer nos muscles. Même aussi, on doit changer le style. Nos compléments alimentaires sont là, ça va les aider. Mais ils doivent faire aussi un petit effort à leur niveau. Je vais continuer après. Je passe la parole maintenant à Dr Mingé Esther. Donc, soyez la bienvenue encore. Et je voulais que tu expliques aussi ton domaine, parce que docteur, elle est rhumatologue. Elle est spécialiste des O, des I, I, O, les chansons des voyelles. Là. Quand on arrive à un certain âge, donc elle va nous dire. How about you, Doc? OK. Hello. Merci, mon. Merci, Docteur Tabor. Vraiment, cette première partie a vraiment presque tout résumé l'entrée en jeu. Je n'ai plus besoin de faire vraiment l'introduction. Chers invités, merci d'être là. C'est vraiment un moment, en fait, spécial. Et c'est l'honneur vraiment est pour moi de partager aussi mon expérience en termes de recommandation des produits,
pour en fait prévenir le vieillissement, comme a dit Maman Tabot, et c'est à ce à quoi on va en venir tout à l'heure. Je vais plus revenir sur les détails parce qu'elle a vraiment introduit, parce qu'elle a donné la base du dysfonctionnement, la base du vieillissement, et qui est le même, qui avait le même principe dans tous les organes. Bon, je pense que déjà beaucoup me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Esther Meunier, manager à Forever, médecin, comme elle a dit, spécialiste en os et articulation. Pour faire plus simple, pour éviter les gros mots, on va dire spécialiste en os et articulation. Et articulation. C'est plus simple pour tout le monde. Et vraiment, Forever, c'est un peu comme ce petit sucre qui vient anticiper sur les problèmes. Donc, prévenir qu'on voit les gens vraiment avant un stade où en fait on peut plus rattraper les choses. Et c'est cette base-là qu'on va partager certains éléments avec vous. Alexis, donc sans plus tarder, je vais d'abord un peu que vous compreniez quand on dit les os, les nerfs, le rein, comme a dit Maman Tabos. Le rein n'est pas le rein que nous on dit au quartier là. Nous, quand on dit os articulation là, c'est le bas du dos. Donc en fait, l'appareil locomoteur là, c'est tout ce qui nous permet de bouger, de nous mouvoir, de nous déplacer. Même en fait, quand on parle là, il y a les os là quelque part qui nous permettent d'ouvrir la bouche, de parler. Donc tout ça, c'est le système appareil locomoteur. Et c'est constitué de tout ce qui est osseux, de tout ce qui est articulation et les muscles. Et à côté passent les vaisseaux, passent en fait aussi les nerfs. C'est pour ça qu'on va voir certains produits qui vont en fait être utilisés aussi dans les deux sens. Donc c'était juste pour vous expliquer. Et même tout hein, ce qui est tendon, parce que les tendons nous permettent de relier. Pour faire en français facile, c'est un peu comme les cordes qui en fait relient deux parties d'os. Donc je préfère avec vous parler en français facile pour que tout le monde qui soit n'importe où se dise et comprenne que Forever, c'est un langage pour tout le monde. Il ne faut pas être allé à l'école. Donc, pour ceux, je vais vraiment essayer de parler vraiment avec un niveau terre à terre pour que vous puissiez vraiment comprendre. Et c'est ce système osteo-articulaire, c'est-à-dire les os, les articulations qui permettent de nous mouvoir, comme j'ai dit, même de dormir. Parce que même pour dormir, on doit fermer les paupières, on doit réouvrir les yeux après, on doit respirer. Donc, les os qui sont dans les côtes-là doivent pouvoir bien fonctionner. C'est même pour ça que quand on prend de l'âge, parfois, on vous dit, lorsque je dors, je sens comment j'étouffe. Parfois même, c'est parce que les os qui sont dans les côtes-là ne sont plus bien souples, flexibles pour en fait, te permettre la bonne respiration. Donc, c'est tout ça. C'est pour vous dire que le système des os, articulation, c'est partout dans notre corps. C'est partout. Il n'y a pas un endroit où on peut en fait éviter. Donc, ça nous concerne vraiment, nous tous. Donc, c'est pour ça qu'il est important pour nous, comme a dit en fait, de tout cela. Et avant que ça n'arrive, c'est vrai que personne âgée, on dit que le dos articulation est né, il faut vraiment s'y prendre un peu plus tôt. Plus tôt, on prend soin de ça, plus tôt, aussi, on évite aussi certains bobos à partir d'un certain âge. Surtout pourquoi? Parce que notre vie, on passe le temps à courir, à marcher, à être entre les motos, les voitures, au village, on revient. Est-ce qu'on peut imaginer la pression qu'on met sur nos os quand on veut faire ça? Aujourd'hui, quand on veut travailler, on monte combien de collines d'escaliers en journée? Tout ça, ce sont des pressions qu'on ajoute à notre système d'os et articulation et on doit vraiment prendre soin d'eux. Ici, là, j'ai seulement voulu vous montrer l'image d'une capitale que Dieu nous a donnée quand on est adulte jeune. C'est-à-dire qu'on a un joli cartilage dans le genou parce que c'est le plus utilisé. On a un joli cartilage qui a vraiment une bonne épaisseur. Et le cartilage, en français, parce que c'est un peu comme l'amortisseur de la voiture. Imaginez-vous que la voiture est neuve. L'amortisseur, là, c'est encore bien épais, non? C'est comme ça est le cartilage dans nos articulations. C'est tout beau, comme vous voyez, la couleur violet et vert, là. Et dans ce genou, vous voyez, en fait, un liquide bleu. C'est ça qui nous permet de lubrifier, un peu comme quand on nous dit on met l'huile de moteur pour en fait lubrifier le moteur. C'est exactement le même principe et c'est le capital que Dieu nous a donné. Donc c'est ça que nous devons vraiment prendre soin et c'est ça qui nous permet de faire tout ce qu'on veut vraiment faire. Donc et c'est ce capital là au niveau de ce que nous on appelle le bas du dos et que vous appelez rein. Donc pardonnez, Dieu nous a le bas du dos, c'est plus simple pour nous tous. Le bas du dos là, quand vous voyez ce que je vous montre là, c'est essentiellement ça qui est notre capital quand on est adulte.
vous voyez bien que c'est un peu déposé comme des briques avec une couche de ciment qui joue un rôle d'amortisseur. L'espace qui est rose sur l'image à gauche, vous voyez comment j'ai bien pointé là, le rose, rose. C'est pour vous montrer le capital que Dieu nous donne à la base et qui nous permet d'être flexibles. Lorsqu'on veut se courber là, c'est parce qu'il y a ce amortisseur de disque qui nous permet de nous pencher, de nous relever, de nous tordre, de faire tout ce qu'on veut faire. Et sans compter les cordes que vous voyez en bleu sur l'image de gauche qui permet vraiment de relever les os. On peut se tourner sans avoir à. Mais c'est ce dont on doit prendre soin. Parce que tous les jours, on les use. Mais une voiture dont on ne prend pas soin, qu'est-ce qu'elle devient? Après, ça devient la carapace. Et c'est ce que nous devons garder à l'esprit en arrière-plan. En fait, c'est comme ça que se déroule notre corps. C'est comme ça que évoluent nos os et articulations. Donc, on doit pouvoir prendre soin de nos vertèbres, disques et nerfs. Et la question que moi je vais vous poser avant de continuer, c'est que est-ce qu'on est sûr qu'on a la santé, bonne santé articulée en prenant de l'âge? Je ne pense pas parce qu'on a eu tous les éléments de réponse déjà avec l'introduction que Maman Tabot a fait. Et imaginez-vous, est-ce qu'une voiture qu'on a achetée neuve, même pas qu'on nous a offert neuve parce que Dieu nous a donné un capital, mais que nous, on ne prend pas soin, qu'est-ce qu'elle va devenir? Si nous, on ne réagit pas, qu'est-ce qui va se passer? On va user, et le corps va avoir des manquements qu'on appelle en français les carences. Des manquements, c'est parce que tellement tu conduis la voiture que Dieu t'a honoré, la seule voiture qui est ton corps, que tu es obligé de vivre toute ta vie. Tu conduis, ça t'aide à monter, à descendre. Tu n'es pas en train de l'entraîner, donc tu crées des manquements dans le corps. Et lorsque ces manquements-là persistent, parce que notre alimentation ne peut pas nous apporter ce dont le corps a besoin à 100%. Ça, déjà, on le sait. C'est pour ça qu'on tombe dans les gros problèmes plus tard. C'est pour ça qu'après, on voit nos parents qui sont alités dans les lits, ne peuvent même pas se lever du lit, n'arrivent même pas à s'asseoir. On vient les nourrir dans le lit. Ça, on peut dire non. On peut prévenir. On peut même anticiper. On peut garder le don précieux que Dieu nous a donné en prenant soin de ça. Et je vais vous montrer ce qui nous arrive lorsqu'on ne prend pas soin. Je vous ai montré l'image qui avait été jolie, jolie, non? Quand on est dans 40 ans, là, l'extrémité de gauche, là, ça commence un peu par des petits pincements, comme vous voyez, le petit point rouge. Là. Ça commence comme ça. Le jeune, là, comme vous voyez la partie bleue qui est en train de déborder, là, c'est ce que les gens aiment bien avec eux, souvent du quartier sciatique. Quand ça déborde comme ça, là, ça vous crée, ça coince les nerfs. Ça peut créer l'inflammation, ça crée un mélange de choses qui vous donne des problèmes du bas du dos jusqu'aux orteils en bas. Après, on dit, mes pieds meurent doucement, moi je ne comprends pas pourquoi. On va mettre ça au village. Non, on n'a pas pris soin du capital que nous, on a avec nous. Dans le genou, c'est pareil. Vous voyez le beau genou que j'ai montré au départ. Lorsqu'on monte tous les jours les escaliers, on porte les talons, on monte sur les motos, on court à gauche. C'est comme ça que l'amortisseur qui était tout bleu, vraiment épais, commence à s'user. Comme vous voyez les petites parties un peu émiettées, rongées là. Ça, c'est l'usure qui s'installe. Quand on prend de l'âge à 50 ans, comme on vous a dit, voilà le beau dos, le bas du dos qui était joli, bien là. La partie rose qui avait été plus haut, épais là. Regardez comment ça a disparu quand on a pris de l'âge. Et c'est tout ça qui va créer dans nos problèmes. On a d'abord des petites douleurs passagères, après on a des petits inconforts. Ah, je me suis levé, j'avais un peu des petits pincements, mais bon, je me suis étiré, c'est passé. On dit, bon, c'est pas grave. On dit que je me lève, je me sens un peu raide, les crampes viennent de ma part. Dès que j'ai un peu chauffé l'eau, vous êtes, le corps est en train de vous avertir que je suis en train de m'abîmer. Et lorsqu'on se néglige, on voit l'usure avancée, la fragilité, c'est-à-dire quoi? L'autre, voilà, il devient fragile. Dès que vous faites avec une comme ça, là, la fracture, on dit que l'eau s'est cassée. Parce qu'on n'a pas pris soin, c'est fragile. Et c'est ce que généralement on entend osteoporose. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu est tellement merveilleux qu'il a tout prévu. Parce qu'il a prévu qu'on devait faire ça. Du coup, il a en fait mis cette sagesse sur des personnes avant nous pour mettre à notre disposition des produits pour nous éviter d'arriver même à destruction là. Il est à nous de savoir que c'est important de même pas y arriver en prenant vraiment avantage de ce qu'on a mis à portée de notre main. Parce que je suis sûr qu'il y a certains même qui sont des FBE, mais qui ne connaissent même pas la portée de ce qui est vraiment à leur main. Et c'est ce que nous devons comprendre. Parce que ça va commencer par nous. Je suis le bon exemple.
Là, je vous ai montré un peu en détail, je vais dire, les principaux produits. Ce n'est pas seulement ça qui agit, mais ça, c'est les produits essentiels de la gamme des os et articulations. Et je vais un peu essayer de vous faire un peu de détails. Et je vais revenir sur le Vital 5 après. Le actif HA, moi, j'aime dire sincèrement, en termes de rhumato, et j'aime dire ça même en fait à ceux que moi je conseille, vraiment, Forever a trouvé la formule que même la médecine n'a pas trouvée. Parce que pour vous dire, l'acide HA, c'est l'acide hyaluronique. Nous, comme on m'a dit, je suis scientifique, on a ça en injectable. Et nous, on vous met ça lorsque c'est déjà tout plein plus bouché. Et c'est nous, on a toujours un peu de temps. Mais Forever a compris que je pouvais aller stabiliser ça de façon naturelle, mettre dans les gélules de façon accessible. Quand on vous dit accessible, là, c'est que ce produit en injection coûte 70 000 francs au Cameroun pour une seule injection que je dois faire tous les 3 mois pour là. Et ça va m'aider à m'arrêter. Maintenant, on m'a montré des gélules que si je prends tôt, je ne vais même pas arriver à ce niveau-là. Je vais avoir un niveau de santé. Comme en fait, je vous ai dit, moi, je peux, comme la maman m'a dit, on va plutôt rester dans ce. Dans les recommandations sans trop entrer dans les personnes, ça va vous perdre. Retenez qu'avec le HA, tu as une mobilité assurée parce qu'il contient l'élément essentiel, l'élément principal du cartilage, l'élément bleu que vous avez vu tout épais entre les os là. C'est qui nous permet la mobilité, d'être souple, de pouvoir plier les pieds. Donc imaginez-vous toute situation d'inconfort, de craquement, de blocage. Je me suis levée, ça a un peu bloqué. Le HA est vraiment recommandé. Surtout si vous l'associez au Freedom. On va avoir le Freedom après, plus tard. Mais juste vous dire que c'est un produit carrefour dans le système ostéo-articulaire. Et ce qui est bien avec HA, sans vous mentir, le fait que lui, il permet la résonance cellulaire du tissu conjonctif. Lorsque la personne le prend, il va voir que même dans les yeux et sous la peau, ça va l'aider. C'est pour ça qu'on a aussi le même principe actif dans la gamme avec Infinity. Parce que c'est un produit qui permet le rajeunissement du cartilage et puis des tissus conjonctifs. On va passer en fait à l'articulation. Vraiment, moi, j'aime bien dire, si des gens ont en fait remarqué, vraiment, l'articulation, c'est le produit que j'adore le plus. C'est le produit que Que vous tournez quoi là, l'articulation est au milieu. Parce qu'en dehors de la peau, des yeux, des vaisseaux. Moi, dans les os là, je vais vous dire, l'articulation là, c'est la fondation. Parce que non seulement le corps ne peut pas fabriquer les oméga, mais c'est l'un des rares complexes oméga sur le marché qu'on a, qui est associé 3, 6 et 9, et de fortement dosé. Donc, pour vous dire vrai, celui qui est un peu intuitif et puis sage devrait dans sa composition avoir le Atix au milieu. Parce que le plus grand produit carrefour que moi je connaisse dans Forever. Et au niveau des os, ça apporte la solidité de l'os. Donc lui, il va aider en fait, les belles cellules à vite se refabriquer. Et lui, il aide aussi en fait, à la fabrication des cellules. Donc au bout de 180 jours, lorsque en fait, les cellules des os veulent se régénérer, le HCC contribue en fait, à la fabrication des nouvelles cellules. Comprenez que le HCC, là, son rôle, c'est la solidité des os. Entre temps, il a un puissant pouvoir antioxydant sur tout ce qui est inflammatoire. Donc, même pour les états de disque inflammé du bas du dos, le HCC a son rôle parce que lui, il vient nourrir le disque parce que le disque est plein d'eau et puis le HCC est l'élément important qui vient nourrir le disque. Dans les sciatiques, pourquoi on va dire HCC? Parce que c'est le produit essentiel pour toutes les cellules nerveuses. Tout à l'heure, maman a parlé de la médecine et tout ça là. Elle-même, je n'imaginais pas. J'ai même voulu même lui arracher la parole, même pour dire que maman, c'est là où le HCC, alors, joue son effet. Ça protège vraiment le nerf. Tout on dit, c'est quand peu les pêches, ça brûle là. C'est là où le HCC vient protéger votre nerf parce que c'est son rôle. Agir d'abord sur les cellules nerveuses. Le HCC, vraiment, ça vous mentir, pour moi, c'est un produit carrefour. On va continuer en fait notre move. Le move que moi, j'appelle le papa de la mobilité. Parce que le move, là,
si vous avez le papy qui se sent mieux, qui n'a même plus mal, mais qui est raide, le matin arrive, se lève, n'arrive même plus à bouger, c'est vers 10 heures qu'il bouge un peu, c'est vers 11 heures que le soleil sort, que le move, c'est le produit qui vous assure le confort et la mobilité articulaire. Parce qu'il vous apporte trois puissants anti-inflammatoires de mobilité, surtout le curcuma, et puis surtout en fait les fruits de caroubouet, que personne n'a encore pu vraiment isoler ça de façon en fait particulière. Donc, sans vous mentir, le move est un produit exceptionnel. Moi, j'aime bien souvent dire que son pull, ça ne vaut pas son apport en termes de mobilité articulaire. C'est un peu ça, l'indication du move. Et le move aussi, lorsque vous avez un sportif qui doit fournir beaucoup d'efforts et qui doit mettre le muscle sous pression, le move est en fait intéressant parce que tous les petits états inflammatoires de suppression sur le muscle et sur l'articulation, le move vient déjà anticiper sur les dégâts. Donc, il est intéressant pour toutes les personnes, surtout le sujet âgé, la mobilité articulaire, pour toute personne qui fournit un effort un peu poussé sur le muscle, le move à sa place. Je vais en fait appuyer sur l'embrayage avec mon gel parce que je préfère laisser mon plateau pour la semaine. C'est un grand embrayage que je vais prendre la semaine. Nos gels massants, hydrolotion et puis le MSM, chacun a sa place. Et je ne connais pas le hydrolotion. Le hydrolotion, je l'adore parce que c'est d'abord un gel massant qui nous permet d'avoir un assemblage de quatre huiles essentielles qui agissent tous de façon synergique, c'est-à-dire chacun vient pousser l'action de l'autre. Que ce soit, et en plus de ça, en plus de cela, on a en fait associé de l'huile de l'allantoïne et puis de jojoba pour permettre une bonne pénétration sur la peau. Donc, le hydrolotion traverse quand avec des massages doux de 15 minutes vraiment la peau pour pouvoir atteindre l'articulation ou bien le bas du dos, maîtriser la douleur et puis l'inflammation de façon locale, maîtriser les petits traumatismes et le muscle au niveau du muscle avec l'action de à l'intérieur. Et n'oubliez pas que à l'intérieur on a l'huile de sésame qui aussi est un bon myorelaxant pour les massages. Et c'est toute cette action synergique là que le hydrolotion a en fait à votre portée de façon naturelle en plus. Donc sans vous mentir, même si quelqu'un utilise le hydrolotion tous les jours pendant 6 mois, au contraire la peau sera plutôt hydratée et vraiment le gel va vraiment pouvoir traverser la peau pour agir à l'intérieur. C'est l'un des rares, même quand moi je compare avec les pommades chimiques pharmacie qui arrivent surtout pour le mal du bas du dos à traverser au point d'agir localement sur tous les inconforts du dos. Le MSM, lui, est encore intéressant parce que c'est vraiment... C'est-à-dire tous les états inflammatoires qui tiennent le hydrolotion. Je vous conseille si c'est genre un déboîtement, j'ai fait sport, je me sens un peu une petite douleur, je sens des douleurs qui ont commencé il y a moins d'une semaine. Vraiment, le hydrolotion va agir tout de suite et très bien. Maintenant, le MSN, lui, c'est dans les états, ceux qui ont vraiment ce qu'on appelle le plus avancé là, qui sont déjà dans un état inflammatoire. Lorsque vous prenez le MSN gel, il a un fort pouvoir pénétrant. Parce que le MSN contient du soufre qui arrive à vraiment tenir les effets inflammatoires chroniques qui ont traîné pendant longtemps. On va même encore le voir dans le Freedom, qui est vraiment la force aussi du Freedom. Et à côté de ça, on a l'action de l'aloe gel, parce que dans le MSN, on a en fait la pulpe, le gel, l'aloe vera à plus de 36%. Et c'est ces deux actions synergiques qui aident beaucoup dans la diffusion du produit sous la peau et qui maîtrisent les inflammatoires chroniques en fait. Surtout pour ceux qui ont en fait les problèmes de raideur le matin au réveil, je vous conseille vraiment le MSM gel. Et puis pour ceux qui ont des douleurs, parfois qui sont un peu aigus en même temps, prenez une noisette de MSM gel et puis une noisette de qui sont mélangées. Je vous assure, ça là, c'est le meilleur massage que vous aurez fait. Ça, c'est par expérience, c'est le meilleur massage que vous aurez offert à votre tonton, à votre tata, à vous-même. Dans vos situations d'inconfort. J'ai laissé mon calcium pour la fin parce que lui, c'est le meilleur complexe minéral, le calcium forever. Je ne voulais pas entrer dans les compositions, mais aujourd'hui, je vais
là, je suis un peu obligée parce que c'est le minéral qui contient tous les minéraux qui peuvent exister et de façon vraiment très forte. Le calcium, voilà, je ne sais pas pourquoi forever aime souvent le calcium parce que souvent on pense qu'on veut se mettre le calcium, mais tous les éléments qu'il a, il a 8 éléments essentiels que vous n'allez pas trouver aussi réunis en un seul produit. Le calcium a dose maximale, le magnésium a dose maximale, la vitamine D, la vitamine C. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que Forever a pu joindre à ça l'action du copper, du mycobalisme, du manganèse. Ce sont des éléments tellement rares, tellement de les avoir, que c'est ça qui fait la force de cette action Forever. Non seulement tout un problème d'inconfort, de nerfs, de crampes, engourdissement, mais quand vous allez dans l'entité qu'on appelle l'ostéoporose, bon, vous dites, mais en français facile, c'est la fragilité de l'os qui en fait devient tellement fragile que une simple fissure comme ça, du fait que vous pouvez faire un faux pas tomber et vous casser l'os vraiment. C'est ça qu'on appelle vraiment l'ostéoporose. Et l'os devient fragile. Tous nos parents par là, on a une grand-mère que à peine elle a son ça, si en fait elle tombe un peu, quand on parle de la fracture. On n'a jamais entretenu ces eaux depuis ses 80 ans, ses 50 ans. On n'a jamais entretenu. Le calcium forever nous apporte tous les éléments constitutifs essentiels de l'eau. Toute la partie minérale là, c'est contenu dans le calcium forever. 8 éléments minéraux, c'est pourquoi il appelle le complexe minéral forever. Et surtout avec de la vitamine D qui est bien dosée. Honnêtement, le calcium forever dans tout ce qu'on vous dit, ostéoporose, tout ça, c'est vraiment indiqué. Et tous ces produits là, ça ne peut pas être pris sans son buvable. Son buvable qui est, comme maman dit, si vous prenez un produit Forever sans donner un buvable, c'est que vous avez raté le démarrage. Moi, quand quelqu'un veut commencer à découvrir les produits, généralement, je lui dis, même si c'est fort comme là, mets au moins un buvable à côté pour d'abord commencer à assimiler. Après, tu vas un peu commencer à jongler avec les comprimés bien et je lui mets le buvable, le Freedom, dans le sens osteoarticulaire à sa place. Parce que le Freedom, en dehors de tout ce qu'on vous a raconté, oui, ça là, c'est le calcium dont je viens de parler dans la première vidéo, qui va vraiment vous éviter d'arriver à ce stade-là, qui est un stade grave. Mais il ne faut même pas y arriver, parce que pour y remédier, c'est compliqué. C'est vraiment les bruits de blanc que nous, on n'a même pas. Et pourtant, donnez-moi une seconde rapidement. Oui, en attendant que Doc revienne, mais vous voyez la passion dans laquelle elle part. Les produits Forever ne blaguent pas. Pour ceux qui blaguent encore avec ça, je vous encourage les aides bio. Consommez et faire consommer les produits. C'est tout. C'est simple le business Forever. Consomme. Vous croyez que quand elle parle avec si passionnant, c'est parce qu'elle a pris ça. Et elle peut mieux expliquer. Sinon, on ne consomme pas les produits, comment pour bien expliquer? Vous avez vu tout ce qu'elle a montré là, c'est dans mon carrefour. Ça, c'est le carrefour des marques. Ça, c'est tous les produits sont les carrefours. Finalement, il n'y a pas au carrefour, il n'y a pas la route A, B, C, D. Eux, tous se trouvent au milieu là, qui vous dit, toutes sont bien pour nous. Toutes sont très importantes. Et chaque produit, Forever, avant de sortir ça sur le marché, a pris le temps pour étudier ça, pour tester ça, pour donner aux autres consommateurs. Vous me dites comment ça marche avant qu'on dise que ça marche. J'ai dit par exemple, le calcium qu'elle parle là, il y a un rhumatologue, paix à son âme. Elle me dit, Vivian, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a dans votre calcium Forever là? Je lui dis, mais toi-même, tu peux proposer ça au malade, tu peux pas. Il dit, non, il ne faut pas, je vais envoyer, tu les vends. Mais quand je donne à dire quelqu'un va chercher l'occasion pour les vendre, je suis sûr d'un résultat. Et puis le heat lotion aussi. Il y a une personne qui a donné un témoignage. Il est parti dans un village et il a vendu un heat lotion et quoi, une maman. Il a dit comment mettre. Mais il a dit à la mère, je vais revenir, je vais revenir ici où c'était dans 2 semaines ou 3 semaines. Le jour qu'il arrivait, la mère a invité toutes les mamans du village qui étaient assises devant sa porte comme ça. Chacun voulait, ils leur ont dit, maman, comment c'est vite fini comme ça? Il dit que je me prends tout mon corps avant de dormir. Et quand je me lève le matin, je suis comme un bébé, je sens bien. Donc, tous mes amis là voient aussi le même produit. Et le gars là faisait ses point caisse seulement à base de heat lotion. Donc, c'est très important. Over to you, Doc, over to you. D'accord, ok. Thank you very much, mom. Donc, en fait, je vous disais,
n'arrivons pas à l'ostéoporose parce que cette maladie est fatale. Vous ne pouvez plus rien faire, on ne peut pas récupérer. Mais on a tout pu y anticiper. Seulement, ce Caution Forever, comme je vous disais, je ne vais pas revenir sur les détails, est vraiment exceptionnel, seulement pour cette prévention-là. Donc, si on veut offrir un beau cadeau à nos parents, pensons d'abord au Caution Forever. Donc, on va continuer. Je vous disais, cette dame que moi je viens de vous présenter là, je ne fais pas ça sans vraiment penser au freedom. Parce que le freedom, c'est le sous-bassement du système osteo-articulaire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le cachage qu'on a vu en haut, tout vert, tout beau, tout hein, les trois éléments minimum que même avec celui du quartier connaît, que ça fait partie du cartilage là, c'est la glucosamine, la chondroïtine. Et ça, c'est un buvable qui vous apporte une façon très concentrée et pure et naturelle. Donc, ça n'a plus besoin de passer pour les transformations dans votre foie avant de... Quand vous le buvez là, le corps l'assimile. Donc, quand vous dites à quelqu'un que prends ton freedom là, dis-lui, prends tes 100 minutes là, prends ton demi-verre à jeun le matin. Là, son estomac est vide, ses dents sont vides, ça va vraiment assimiler tous les principes actifs du freedom et ça va vraiment l'aider beaucoup. Parce que ce freedom là vous apporte les éléments essentiels. En plus de tous les avantages du buvable gel même, l'aloe vera gel en fait en lui-même, parce qu'il contient au moins 86% de l'aloe vera gel. Donc, c'est-à-dire en dehors de tout ce que vous connaissez de l'aloe vera gel, le freedom apporte des trucs en plus pour l'os et la circulation et puis les nerfs. Et il a tellement un puissant anti-inflammatoire que même quand les gens se plaignent, oh, mes nerfs me brûlent, je ne dors pas, j'ai. Quand, lorsque vous prenez le freedom, ça apaise tous ces états. Parfois, c'est même le stress. Parfois, c'est même juste une mauvaise hygiène de vie. C'est les carences. Mais le freedom vous apporte tout cela. En plus, ça, il est enrichi en vitamine C. Et c'est de la vitamine C naturelle. C'est pour ça que lui marche mieux dans les parce que la vitamine C naturelle permet de vite stimuler les cellules à se mettre rapidement en action pour capter les nutriments et se mettre maintenant en fait au travail. Ce n'est pas de la vitamine C chimique qu'elle donne. N'allez pas prendre le Mimifran. Vous dites que c'est, le docteur a dit que la vitamine C là aide. Non, je vous parle de vitamine C en termes d'antioxydants. C'est lui qui a la capacité vraiment d'entrer vraiment dans les cellules. Donc imaginez-vous que à travers ce pack-là, osteo-articulaire, que vous puissiez donner la joie à vos parents comme vous voyez ces deux personnes âgées en train de sourire, en train de faire leur vélo. C'est ce qu'on vous souhaite. Maintenant, pour un conseil pour le Vital Saint Freedom Pack, je ne connais pas ça en fait. Alexis, reviens un peu sur le Vital Saint, juste un petit mot et puis c'est fini. Le Vital Saint, si on a quelqu'un qui est vraiment dans un désordre articulaire, c'est-à-dire qui a été longtemps négligé et qu'on veut démarrer en grand, qu'on veut faire la vidange pour stimuler son système osteo-articulaire de façon vraiment efficace et rapide, dis-lui que vraiment, si tu as un peu d'argent pour te faire du bien à toi-même, commence par un Vital Saint Freedom. Parce que le Vital Saint Freedom, c'est comme si vous décidez de faire la vidange de votre corps. Imaginez-vous une voiture. Nous, tous qui avons les voitures là, on sait qu'on fait la vidange au moins 3 fois par an, non? Pourquoi on ne peut pas faire aussi la vidange de notre corps humain qui nous permet de faire tout hein, ce qu'on fait au moins 2 fois par an? Et pour le système osteo-articulaire, prenez le Vital Saint Freedom parce qu'il contient les 3 puissants antioxydants de Forever qui agissent. Et même le Agi Plus, dans le système articulaire, c'est peut-être que moi je reviens, en dehors de tout hein, ce qui est vaisseau, il va stimuler le fonctionnement des petites terminaisons nerveuses. Quand avec moi, on dit que tellement mon pied a fait mal que même je ne sens plus le bout de mon orteil. J'ai les doigts qui ont été picotés sur le bout le matin. Je ne sens même plus quand moi je vais ramasser les petits grains de la chasse parce que vos nerfs commencent à mourir. Et quand vous faites association dans un Vital Saint, il y a Arctic C, il y a Agi Plus et puis le Freedom, sans vous mentir, à la fin du mois, vous sentez une amélioration de votre Vital Saint. Donc vous faites d'abord votre Vital Saint pour d'abord une bonne revidence et puis redémarrage du bon fonctionnement osteo-articulaire et vous faites maintenant le choix du produit en fonction de votre portefeuille. Mais n'oubliez pas, Active HA, Calcium et Mouf qui doit être au centre. Allez, c'est la partie osteo-articulaire qui était ainsi présentée. Maman Tabot, merci. Ça, c'est fini. Ça, c'est formidable. Ça, c'est bien.
très bien, donc très bien, et que Dieu vous bénisse. Amen. Pour avoir accepté de partager avec les autres le bienfait de nos produits sur les os, les muscles et les articulations. Et je pense que ça a été tellement explicite que quelqu'un qui n'a pas compris, c'est quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Parce qu'il y a des gens qui parlent, ils ne veulent pas comprendre. Ils sont là, mais ils ne comprennent pas. Ils sont là, mais ils ne sont pas présents. C'est-à-dire, leur tête est ailleurs, mais ils sont connectés. Mais ceux qui sont présents, ils sont bien suivis. Et je pense que beaucoup ont compris. On a parlé aujourd'hui du problème cardiovasculaire, on a parlé du diabète, on a parlé du problème de cholestérol, on a parlé du problème osteo-articulaire. Et vous savez, les personnes âgées, il y a beaucoup de choses à parler. Je devais toujours continuer à parler du cancer, je devais parler du système immunitaire, mais je pense qu'il faut que je parle du système immunitaire parce qu'il faut que les gens sachent que quand on prend l'âge, oui, quand on prend l'âge, l'autre chose qui nous arrive, on vient de passer la période de COVID, non? Si vous suivez beaucoup les informations, les statistiques montrent que les gens âgés qui sont morts dépassent même la totalité de tout autre groupe d'âge. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'on prend l'âge, la même chose qui arrive aux autres cellules de notre organisme qui sont dans les processus de ralentissement, de non-multiplication, de tout ça, atteignent aussi même les cellules immunitaires, les cellules qui agissent pour nous protéger, qui bagarrent. Quand les bactéries, là, les microbes entrent dans notre organisme, qu'est-ce qui bagarre pour nous? C'est tous ces globules blancs, tous ces lymphocytes, tous ces monocytes, eux qui sont là. Mais maintenant, avec l'âge aussi, eux aussi, c'est fatigué. Donc, les personnes âgées sont plus exposées. C'est un groupe vulnérable. Ils sont plus exposés à faire des infections, des petites grippes, n'importe quelle petite maladie qui passe. Ils ne sont pas bien préparés. Ils vont tomber là-bas dedans. Forêt va dire, non, n'attendez pas à ça. On a un produit formidable qu'on appelle le Immublend. Et ce qui est bien avec Immublend aussi, ça a un bienfait d'augmenter le niveau énergétique. Donc, ça ne renforce pas ton système immunitaire en agissant au niveau des cellules immunitaires, mais ça augmente aussi votre niveau énergétique. Donc, quand vous donnez Immublend, associez ça avec tout ce que vous avez vu aujourd'hui, vous donnez à vos parents. Je vous dis, ça ne sert à rien d'envoyer les vieux à l'argent tout le temps. Là. Ils font quoi avec l'argent? Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu dans ma vie? C'est 56 ans, j'ai tout vu, non? Pas tout, mais au moins, j'ai vu au moins 3/4 des choses et tout ça. Donc, si je suis là et je vois un de mes enfants décide que non, maman, ma part pour toi chaque mois, c'est d'amener, d'envoyer les compléments à l'inventaire qui va t'aider, tu vas être le meilleur des enfants. Et c'est comme nous, on est en train de parler aujourd'hui, aidez vos parents, aidez vos grands-sœurs, aidez vous-même, surtout vous-même, les FBO. Il faut apprendre à vous aider vous-même, d'être en forme. Vous ne pouvez pas aller pour présenter les produits aux gens parce que tu veux vendre et ils voient que toi-même, ça ne va pas. Toi-même, tu dis, aïe, oh, il va dire que, mais qu'est-ce qui arrive à la dame-ci? Pourtant, elle veut me vendre les produits. On a des produits, quand on parle de système immunitaire, l'absorbance C, parce que c'est un antioxydant très puissant, comme on vous a dit ici. Absorbance C, le temps de COVID, absorbance C, sauté, blême. Mais maintenant, c'est comme si la vente de ça a baissé. Les gens pensent que tout est fini. N'oublie pas, il y a toujours les microbes, il y a toujours les bactéries, ils sont là, ils sont tout autour de nous, on ne les voit pas. Donc, si on pense que parce que le COVID est passé, on ne consomme plus immublême et absorbance C, c'est une erreur. Donc, il faut que les gens apprennent ça. Et Bipropolis, on voit ça beaucoup plus comme l'antibiotique de Forever à cause de Propolis qu'elle a, bien sûr. Mais sans savoir que, parce que c'est un superfood, ça contient tous les nutriments que nos cellules, tout ce que nos cellules veulent dans notre organisme, c'est d'avoir les ingrédients primaires. Pour qu'ils puissent survivre. Quand Dieu nous dit ce qu'il doit faire. Mais pour faire ça, il faut les éléments. Pour faire ça, c'est un peu comme je vais préparer le dolet et puis je n'ai pas l'arachide. Quel genre de dolet je vais préparer? Donc, c'est un peu ça. Quand il faut qu'un système fonctionne, il faut apporter tout ce qui est nutriments que ce système a besoin. Si tu n'as pas le chondroïtine, glucosamine, méthylsulfonylméthane,
tu gères quoi avec les articulations? Il faut ça, il faut l'acide hyaluronique. S'il n'y a pas ça, qu'est-ce que... Il faut calcium, il faut naturine. Donc, il y a des choses qui sont primaires qu'on doit toujours avoir quand on est en train de viser un groupe de personnes ou d'autres. Les enfants ont leur part, les adolescents ont leur part. Et maintenant, je pense que on va prendre quelques questions. Je ne voulais pas vous garder si long. Je crois que moi et Estelle, on disait que non, dans une heure, on va finir. J'ai dit, Estelle me dit non, maman, donne-moi même 10 minutes, je vais finir. 10 minutes ou. Quand on a la passion de quelque chose, on veut partager, on se donne. Et c'est ça qui est même bien. C'est ça qui est bien. C'est pour cela que je vais arrêter aujourd'hui maintenant. Le reste, il y avait 3 choses à parler. On peut programmer ça une autre fois. Sans parler maintenant, on pensait déjà à faire un plan, un deuxième, pour parler maintenant des choses un peu spéciales. Tu vois, la vieille chez les femmes, la vieille chez les hommes, le problème de ménopause, et puis le problème de prostate, et puis le problème de la peau aussi. Tout ça entre dedans. Mais je pense qu'on va arrêter aujourd'hui comme ça. Et s'il y a des questions, vous posez des questions. On va essayer de répondre à vos questions et puis peut-être 10 minutes comme ça ou 15 minutes, on va arrêter. Il faut que les gens vont chez moi. Donc, dès que j'ai fini là, je suis libre. Mais il y a d'autres personnes qui sont encore au bureau qui doivent rentrer à la maison. Donc, c'est ça. Ah, OK. Question. Vous pouvez soulever votre main. Alexis va voir. Vous pouvez écrire ça. Oui, Alexis, il y a un doigt qui est soulevé, deux même. Alexis, are you there? Yes, mommy, I'm there. So just try to be unmuting them fast, and let's okay. Take the questions as yes. Doc, il faut que ton micro aussi soit ouvert. Oui, c'est ouvert, mon. Ok. Juste une petite remarque, Alexis. Il y a quelqu'un qui a demandé s'il n'a jamais consommé les produits, est-ce qu'il peut commencer par Vital Saint Freedom? S'il a des inconforts, c'est même vraiment indiqué. Monsieur Cissé Kadi, vraiment, c'est indiqué de commencer par votre Vital Saint Freedom et puis après, vous composez comme vous voulez si vous avez des inconforts dans la mobilité. Juste pour répondre à Monsieur Cissé dans les messages. Donc, merci. Ok. Monsieur Boule. À soulever la main, je dois demander qu'il réactive son micro. Activer le micro, ça veut dire que vous cliquez sur le micro. Oui. OK. Et s'il vous plaît, vous posez des questions. Anglais dit straight to the point. Donc, ne commence pas à nous féliciter pour la formation. C'était bien, non? Là, on sait que vous avez tous aimé. Dites-nous seulement que voilà ma préoccupation. Allez au droit de vos questions. OK. Allô? Bonsoir, Madame Bouille. On vous écoute très bien. Bonsoir. Oui. Moi, j'ai une préoccupation. Pour des femmes déjà monoposées, est-ce que, disons, à partir de 45 ans, est-ce qu'elles peuvent réactiver les règles avec les produits? Voilà ma question. Tout ça dépend. Il y a des gens qui vous disent que j'ai commencé. Ça veut dire que tu n'étais pas encore arrivé à ménopause plein. Tu sais, avant d'arriver au ménopause, tu passes par la période pré-ménopause. Pré-ménopause, c'est là où les règles viennent et puis ça saute quelques mois. Tant que ça n'a pas sauté jusqu'à 10 mois, à un an, tu n'es pas ménopausé. Donc, dans ce cas, si tu prends les produits, s'il y avait encore les ovaires, ça va redémarrer les choses. Mais sinon... Okay. Et sinon, non. Ok. Merci beaucoup. Ok. Merci. La prochaine personne, c'est Madame Maïmouna Koulibaly. Nous allons vous demander d'ouvrir votre micro. Oui, c'est bon. Vous m'entendez? On vous reçoit 5 sur 5. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir à tous, toutes. Ma question concerne la fibromyalgie. Je voudrais savoir qu'est-ce que le docteur Tabod ou Meunier propose comme synergie pour la fibromyalgie. Ok. Merci. Mm-hmm. Okay. Esther, tu réponds? D'accord, ok. Pour la fibromyalgie, parce que la fibromyalgie d'abord est un syndrome de, je vais dire, supracortical, c'est-à-dire c'est un genre de douleur. C'est toi ce qui sens ta douleur, mais si on vient t'appuyer, ce n'est pas la même douleur que tu ressens.
Pour nos produits, je conseille d'avoir la peine de faire un bon vital sain. Mais à côté, il faut aussi un accompagnement psychologique. Parce que c'est un type de douleur un peu particulier. Parce que le vital sain à l'eau gel permettra à ton corps de retrouver le fonctionnement cellulaire. Et le acide qui est dedans avec le AG+, va stimuler tes cellules nerveuses à refonctionner, à libérer le stress. Mais à côté, il faut aussi quand même un accompagnement psychologique pour te permettre d'avoir des exercices ou bien d'évader l'esprit, de ne pas rester focalisé sur la douleur. Parce que la fibromyalgie, c'est un ensemble de choses. Mais en termes de compléments, il faut commencer par un paquet de vital sain, aloe gel, vera. Et puis après, dans tout ce que vous composez, il faut qu'il y ait le AG+, il faut qu'il y ait le Axi à la base, et puis votre bidon jaune. On peut même l'associer si avec des petits crampes, le calcium ne doit pas manquer parce que le calcium entre aussi dans la construction des cellules. Ok, c'est exactement ça que je devais dire, mais j'allais plutôt mettre le Naturmine parce que comme c'est un complexe minéraux et on sait que ça contient le calcium, mais ça contient d'autres minéraux vitaux. Vous savez, et comme il y a le fibromyalgie, pour que même il y a cette transmission nerveuse, il y a certains oligo-éléments qui sont nécessaires. Donc, en prenant le nature, mais tu peux m'associer avec le calcium. Ça va beaucoup jouer sur le muscle, en prenant tout ce que Doc a dit. D'accord? Ok. Monsieur Victor Chinga Zenge, nous allons ouvrir votre micro. Réactiver le son, s'il vous plaît. Oui, ma question est la suivante. Pour une personne âgée qui a plusieurs problèmes de santé, diabète, hypertension et arthrose, et quelle synergie peut-on lui proposer? Tout à l'heure, merci, Monsieur Victor. Tout à l'heure, quand vous avez vu tout ce que j'ai présenté, les trois premières, c'était presque le même complément alimentaire. Donc, ça suffit seulement de prendre tout ça et tu ajoutes le Freedom. Donc, au lieu de donner à l'œil vera, je vais vous donner le Freedom. Mais vous voyez que même pour les articulations, il faut Atixi. Même pour les articulations, il faut AG+. Donc, tout ça entre déjà dans ça. Et puis maintenant, tu ajoutes ton Forever Move et Active Ashra. D'accord? OK. Suivant. Ok. Monsieur Atep Idriss Mahamat, bonsoir. Vous allez réactiver votre micro. Au suivant, s'il n'est pas prêt, prends l'autre. Ok, il l'a activé. Ok, oui, monsieur Atep Mahamat est prêt. Oui. Ouais, bonsoir. Bonsoir, monsieur Idriss. Ouais, j'ai une petite préoccupation. Nous vous écoutons. Ma question est de savoir, donc, j'ai un client qui est sous d'un kit diabétique. Il y a de cela 20 jours, donc pour l'instant, il se sent au niveau des articulations. Est-il possible de donner encore le Vital 5 de Freedom? Maman, je peux répondre? Oui, réponds. Parce que le diabète est un peu plus délicat. Vous maintenez son kit, vous mettez juste peut-être Active HA, s'il n'a pas le calcium, et puis le move, ça va l'aider. Oui. Vous me comprenez? Oui. Parce que le diabète est un peu plus délicat, c'est-à-dire le diabète est un peu plus instable, et si ce n'est pas bien géré, ça va, les produits ne vont pas faire grand-chose, mais il faut vite. Donc, vous maintenez son kit diabète et ajoutez juste Active HA, move, et puis son calcium. Ok. D'accord. Merci, monsieur Idriss. Ouais, merci à vous. Nous allons demander à Madame Eyok Jacqueline d'ouvrir son micro. Bonsoir, Madame Eyok. Madame Eyok, bonsoir. Vous pouvez ouvrir votre micro. Alexis, il faut prendre Monsieur Yaba. Monsieur Yaba Mabilo. Bonsoir, veuillez ouvrir votre micro. Bonsoir, c'est Madame Yaba. Bonsoir, Madame Yaba. Bonsoir, Madame Yaba, depuis le chat. Oui, depuis le chat, oui.
J'ai une soeur qui souffre de gros cœur, de cholestérol, de la tension. Alors, c'est un peu difficile pour moi de lui prescrire le produit. Madame Yaba, un point de correction. Les produits Forever ne traitent pas. Donc, quand tu dis prescrit, c'est le médecin qui prescrit. Nous, les herbes, on propose les produits, on reçoit une recommandation, d'accord. Donc, faut éviter d'utiliser le mot prescrit ou bien soigner. Non. Okay. Et puis, oui, et pour ce que tu dis là, comme Monsieur Alexis a ton numéro, je vais t'envoyer, tu écris à Monsieur Alexis et je vais t'envoyer un protocole, ce qu'il faut aider la personne avec, d'accord. Ok. Et Alexis, okay. Prends Tanya. Monsieur Tanya. Ok. Et non, il y a Docteur John Yap. J'ai Docteur John Yap. Bonsoir, oui. Docteur John. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir à tous. Je suis vraiment heureux d'entendre mes collègues, mes petites sœurs, collègues. Et vraiment, je suis heureux de tout ce qu'elles ont dit. Et ça permettra réellement à ceux qui ont suivi cette formation d'être mieux impliqués, de parler de nos produits avec beaucoup de conviction. Parce que beaucoup de gens ne savent pas de quoi il s'agit. Moi, je suis interpellé par le fait que je suis non seulement de la tranche de la gériatrie déjà, mais je suis aussi pédiatre. Donc, il y a un terme qui a été utilisé ici, on parle de produits Carrefour. Mais je voulais dire que c'est les produits, nos produits sont vraiment au carrefour de la vie. C'est des produits qu'on peut utiliser non seulement chez en gériatrie, mais aussi en pédiatrie. Je souhaite que peut-être cette formation soit enregistrée et mise à la disposition de tout le monde pour que ils puissent s'y référer régulièrement. Et je propose peut-être qu'un de ces jours, qu'on puisse aussi parler de ces produits en ce qui concerne la jeunesse, hein, la pédiatrie, parce que j'ai vu là des produits tels que Artixi, qui sont vraiment des produits carrefour, comme vous le disiez, les oméga 3. Vous vous souvenez, quand nous, on était tout petits, on donnait de l'huile de foie de morue aux enfants systématiquement à l'école. On donnait ça systématiquement aux enfants. Et pourquoi on le donnait? Docteur Yap. Donc, attends un peu. Non, mais ne lâche pas le truc dans le panier. Il y a une formation qui est prévue. Je devais même vous contacter. On a prévu pour la... C'était Alexis, c'est au mois d'août, avant la rentrée scolaire. Oui, complément alimentaire et les enfants. Et j'ai compté, on va faire ça ensemble. Donc, je me tais alors. On les laisse en suspension. Il faut que le je mois d'août. Okay. Je me tais et je vous félicite et je vous bénis. Amen, je reçois. Merci beaucoup. Allez, à plus. Merci beaucoup, plus. Grand frère. Merci, Doc. Merci beaucoup. OK. Madame Tanya Binin a levé la main. S'il vous plaît, bonsoir et ouvrez votre micro. On a 5 minutes. Bonsoir. On va arrêter à Marie Kamel. On a 4 personnes à prendre et puis on va arrêter. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci. Madame Tanya. Bonsoir. Merci pour cette belle présentation. Alors moi j'ai une préoccupation, j'ai une jeune dame qui m'a contactée aujourd'hui, elle souffre depuis 6 mois de divers problèmes. À l'hôpital, on lui a détecté progressivement une anémie au départ, une infection du sang,
ensuite une fièvre typhoïde, pour finir une colopathie. Et donc elle me contacte, elle voudrait savoir si je peux lui proposer quelque chose. Donc je me permets de vous soumettre cette préoccupation. Merci beaucoup. Dans le cas des colopathies, colopathie, c'est seulement qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du côlon. Donc, on sait bien que la levure gèle. Face à cette personne, il commence même d'abord le C9. Dès qu'il finit le C9, tu vas lui laisser sur aloe vera gel, bipropolis et galitem et probi. D'accord? D'accord. Okay. Au suivant. Bien. Monsieur Victor Tshingazenge, bonsoir. Ouvrez votre micro. Alex, au suivant. Il est parti. Je dois demander à Madame Bekogo Fideline, bonsoir, depuis le Gabon. Ouvrez votre micro. Ok, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. D'accord, je vous remercie déjà, mais jusqu'à présent, je n'arrive pas à faire la différence entre Active HA et Move. Il faut savoir que une chose, MOVE, c'est une combinaison de beaucoup d'autres choses. Donc, Active HA se trouve dans MOVE. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Active HA se trouve dans MOVE. Donc, on peut donner quelqu'un Freedom et MOVE et Atik C. Atik C n'est pas dans MOVE, mais Yassi Lernik est dans MOVE. On peut donner comme ça, mais dans le cas, docteur, vous a expliqué l'importance des acides hyaluroniques dans les articulations. Parce que ça passe jusqu'au niveau, même pour aider dans la sécrétion de la liquide gluante qui se trouve au niveau des articulations, qu'on appelle en anglais synovial fluid, le liquide là. Donc tu peux ajouter Atik C, tu ajoutes Active HA même dans MOVE quand tu veux augmenter, quand la personne a vraiment la douleur parce que les articulations se frottent vraiment et tu veux vite lui soulager. C'est un peu comme si tu sûrement la dose de quelque chose. Donc, d'une sorte, en train d'augmenter la dose de cet acide hyaluronique pour les articulations de cette personne. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Assez toujours à Tixi. Merci. Suivant. OK. Madame Marie-Carmel Tillus. Bonsoir, madame. Ouvrez votre micro. Alex, déjà, on ne fait qu'ajouter. Tout à l'heure. Je te dis, maman. Oui, madame. Bonsoir, madame Marie-Carmel. Bonsoir. Déjà, merci pour la formation et je vous félicite. Je vous suis depuis le Brésil. J'aimerais savoir quel médicament pourrais-je prendre contre la grotte. Merci beaucoup. Goitre, parce que c'est diagnostiqué goitre ou bien c'est parce que la personne a le cou qui est gonflé. Parce que tu peux avoir une situation, tu as hyperthyroïdie et tu as hypothyroïdie. Et il faut savoir si c'est un hypo. Si c'est un hypo, c'est un goitre, ça veut dire qu'il y a un manque d'iode. Donc, tu cherches nos produits qui contiennent l'iode qui va être bien pour eux. Donc, dans ces cas, on voit des choses comme Naturmine, on voit Bipollen, on voit aussi Fields of Green. Bien sûr, on ajoute toujours à aloe vera gel. Sur ça, on arrive à d'autres. Si c'est hypothyroïdie, la personne est toujours là, ils sont. On peut mettre du gelé royal, juste les choses qui vont lui faire plus d'iode. Vous comprenez un peu? Merci beaucoup. Okay. Élise. Madame Élise Esther, bonsoir. Ouvrez votre micro. Madame Élise Esther, bonsoir. Ouvrez votre micro. On va prendre Monsieur Elvis Kokam. Bonsoir, Monsieur Elvis Kokam. Ouvrez votre micro. C'est Élise Esther. Allô. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Madame Élise. Ah donc,
si j'ai bien compris, ce soir, on a parlé de prévention. Mais pour quelqu'un qui est déjà malade de la polyarthrite, est-ce que c'est une recommandation dans le cadre de l'arthrose ou bien il n'y a plus rien à faire? Merci. Quand vous dites... Môme, je peux répondre? Bien sûr, bien sûr. Quand vous dites polyarthrite, là, c'est la polyarthrite maladie, la polyarthrite rhumatoïde qui est déformation ou bien la polyarthrite dans l'arthrose, arthritis. Parce que si c'est l'arthrose, même si à l'hôpital, on vous calme les douleurs avec tout un son, qu'on vous donne les compléments, jouent leur rôle. Parce que ça va restimuler le corps à produire encore un peu de cellules pour quand même faire une couche qui va permettre une bonne mobilité. C'est pour ça que les compléments contiennent les éléments essentiels, parce que l'arthrose c'est lié à l'usure. Donc les compléments apportent les nutriments que les cellules ont besoin pour redémarrer leur fonctionnement. Maintenant, si c'est polyarthrite qui est la maladie rhumatoïde, qui sont des maladies inflammatoires, des maladies de système, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Et comprenez que même quand on vous parle de maladie, les compléments ne traitent pas du tout. Le problème, c'est que quand vous ajoutez les compléments, ça vient stimuler les cellules du corps à redémarrer dans leur fonctionnement. C'est tout. Je ne sais pas si ça vous a aidé. Oui. Donc, je peux juste compléter en disant que quand il y a déjà maladie, ça, vous savez, c'est à cause, on tombe malade parce qu'on a soit trop de quelque chose ou manque de quelque chose. On dit 80% des maladies que les gens font non infectieuses, les maladies qui ne sont pas liées à l'infection, est liée à soit un sur quelque chose ou bien manquement. Donc, quand tu arrives à un problème, à un tas de maladies, on donne ces compléments alimentaires. Autrement, on peut augmenter un peu la quantité. Je peux dire à quelqu'un, il faut prendre un verre de pub matin et soir. Pourtant, quelqu'un qui prend juste pour entretenir, pour prévenir, je dis, prends demi. Demi-verre, ventre vide le soir, demi-verre au coucher, ventre vide. Donc, voyez un peu, tout ça dépend. Ça dépend. Donc, je prends un simple exemple. J'ai rencontré, il y a une femme qui est venue me rencontrer une fois. Et elle dit que non, j'ai fait le bilan. Elle souffre de problèmes de crampes. Mais elle dit qu'elle a fait le bilan, son calcium est normal. Et je lui dis, tu sais, tel que l'homme, l'organisme fonctionne, c'est que quand il y a manquement du calcium, parce que le cœur ne peut pas, les muscles ne peuvent pas fonctionner sans le calcium. Donc, quand le muscle cardiaque est le muscle préféré, commence à souffrir des manques de calcium, l'organisme naturellement va aller retirer le calcium au niveau du dent. On va commencer à avoir des dents sensibles. Il repousse ça dans le sang. Maintenant, quand ça baisse encore, il va maintenant, il prend le calcium dans les os. Il pousse dans le sang. Tout ça, c'est quand les réserves sont finies que le bilan va montrer que tu as un calcium, taux de calcium bas. Donc, le fait que vous faites le bilan, on dit que votre calcium est normal. Sache que quand vous avez déjà atteint l'âge de 45 ans, surtout quand tu es une femme, il faut des calciums supplémentaires. Il faut prendre le calcium pour ajouter sur toi parce que ce que tu en es ne peut jamais être suffisant. Car tu ne sécrètes plus cet oestrogène qui est un hormone qui aide notre corps à absorber le calcium. Vous avez compris, j'ai ajouté seulement ce que Doc a dit. D'accord? Ok. Et on va prendre, on prend Lionel et Alex et puis on va arrêter. Aujourd'hui, Alex me disait qu'à un moment, on va faire 2 heures. Je disais que non. Mais je vois qu'on va arriver là. Bonsoir, monsieur Lionel. Merci. Hey. Les mains sont qu'à ajouter. Oui. Excusez-moi, bien voilà, ouvrir votre micro, on vous écoute. Ok, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Lionel Ngamini depuis l'Allemagne. Déjà, je tiens à vous féliciter, que Dieu vous bénisse en fait pour ce que vous faites. Moi, je suis aussi entrepreneur. Hein. J'ai aussi une entreprise qui fait les suppléments. Mais je peux vous dire en fait que je paye certains produits. J'ai ma belle maman qui est ici en fait, parce que c'est elle en fait qui m'a invité ici. Et elle sait en fait que ce que je dis, c'est je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années.
dont fait les suppléments alimentaires, mais je paye certains produits Forever pour, parce que c'est d'excellente qualité. D'excellente qualité. Donc, du coup, merci déjà pour le... Merci pour le travail que vous faites. Alors, ma question, c'était celle-ci. J'ai ma grand-mère qui a des problèmes, en fait, d'articulation dont on n'a pas, pris soin très tôt. Aujourd'hui, elle a vraiment très, très mal. Et donc, du coup, je voulais un peu savoir quels sont les différents produits qu'on peut, débuter avec afin de cesser cette douleur et de prévenir, en fait, normalement, ses os. Parce que, voilà, elle est quand même à un âge assez avancé. Et c'est vraiment un réel problème pour elle parce qu'avant, elle marchait. Aujourd'hui, à peine elle marche et c'est vraiment très, très douloureux, disons comme ça. OK, je pense que chez elle, s'il y a de l'arthrose, c'est simple. Freedom, Active HA, mais dans son cas, associé Active HA et le Move. Parce que comme Mom l'a dit tout à l'heure, le Active HA va l'aider à sécréter le liquide articulaire pour la mobilité et le Move va encore venir faire la flexibilité des muscles et puis des articulations. Donc, je sais, il faut faire Freedom, Active HA, Atixi, parce qu'il faut stimuler encore les cellules à faire leur travail et puis le Move. Maintenant, si vous la sentez un peu fatiguée, ajouter du AJ+, ça va beaucoup l'aider en termes de tonicité, en termes de stimuler ses nerfs au fur et à mesure. Mais chez elle, pour vous dire, quand vous commencez, prenez-vous, dites-vous que c'est au moins 3 à 6 mois. Ne faites pas 2 semaines et puis revenez dire que ça n'a pas marché. Si avec vous, vous ne pouvez pas, au moins 3 mois, si avec vous n'avez rien fait. Mais l'idéal, c'est 6 mois. Et n'oubliez pas le calcium. Le calcium, ça, c'est un oubli. Le calcium est très important chez elle, c'est même obligatoire chez elle, pardon. Oui, oui. Donc, si je peux, s'il vous plaît, quelques secondes, si je peux juste normalement résumer. Donc, du coup, le Freedom, le Move, Actif, HA, Atik et le calcium, c'est ça? Oui. Merci. Atik-C. Oui, Atik-C. Atik-C, c'est qu'elle a présenté tout à l'heure, non? Ok, super. Okay. Merci beaucoup et vraiment bon vent pour ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ok, merci. Mamie, nous sommes à, comme je vous avais dit, le 28. On va arrêter. Excusez-nous ceux qui ont les mains en haut. C'est monsieur, madame Awa, Mefire, Sandrine, Gwendoline. Écrivez vos messages, peut-être inbox. Je ne sais pas si on pourra voir ça après. Je ne sais pas. On peut pas le temps, mais il faut qu'on arrête comme ça. On se dit rendez-vous à deuxième partie de cette formation-ci. Et pendant la deuxième partie, peut-être on va commencer à répondre à quelques questions de maintenant ou bien des gens là. Il faut que vous soyez connectés. On n'a pas encore mis la date, mais dès qu'on va mettre la date, on va vous communiquer. Alex, si on a déjà la date? Non, je ne pense pas. Non, pas encore, maman. OK. Donc, dès qu'on a la date, on va mettre. Mais il faut qu'on arrête aujourd'hui comme ça. Sinon, on va dormir ici. Je vous remercie tous. Vraiment, je suis content que vous avez montré tant d'intérêt. On voit que vous avez soif de la connaissance. Et c'est ça qui est bien. Que vous avez soif de la connaissance. On va faire tout à notre niveau pour vous donner la connaissance qu'il vous faut pour booster votre business, pour que les choses vont en avant. Je vous remercie tous. Et docteur Esther, vraiment, je ne sais pas comment te remercier. C'était formidable. Merci beaucoup, petite sœur et ma fille. Oui, je vous remercie beaucoup. Et je remercie tous ceux qui ont intervenu. Surtout le docteur Yap, il est pédiatre comme moi. On a une session à faire le mois d'août. Donc je vais t'appeler, on va parler. Et puis, merci à tous ceux qui ont posé des questions. Merci à tous les participants. Je vous aime bien, mais Dieu vous aime plus. Bonne nuit. Alexis, tu es formidable. Merci pour le temps, le travail que tu fais avec la gestion de... Donc, c'est merci beaucoup. Et au revoir et bonne soirée. Bon week-end. Bye. Bye. Merci, mamie. Merci encore. Bonsoir au Gabon. Bonsoir au Tchad. Bonsoir en Centrafrique. Bonsoir au Cameroun. Et bonsoir encore en Guinée équatoriale. Bonsoir à tous les gens connectés.
À la prochaine séance, on vous tiendra informé avec une nouvelle vidéo, avec un nouveau lien. Et merci, le lien de cette formation sera bel et bien sur la page YouTube de Forever Cameroun, où vous pourrez encore les regarder autant que vous voulez. Et surtout, comme il a dit, les personnes qui ont levé la main aujourd'hui et qu'on n'a pas répondu aux questions, la prochaine fois, on fera une séance sera ouverte avant qu'on ne commence la deuxième partie. Merci, bonsoir et beaucoup de CC dans la sous-région. Bye bye.